Le droit a été dit, je suis satisfait. Mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela, comme j'ai commencé à le faire depuis bientôt un an et demi, deux ans. J'ai rendez-vous à 15h, donc on va faire vite. On va faire un petit débriefing. On peut dire que les juges en France n'extradent pas, en tous les cas ne peuvent pas donner, ne donnent pas leur feu vert à des demandes d'extradition quand celles-ci ne sont que le masque d'une persécution politique. Je considère que M. Boni-Yayi doit tirer les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Il a perdu partout. Il a perdu devant le tribunal de première instance de Cotonou. Il a perdu devant la cour d'appel de Cotonou. Il perd devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Il faut qu'il considère que tous ne peuvent pas lui mentir.